السلام عليكم ومرحبا بكم في البودكاست قدات معكم اميمه وكيف ما كل 15 يوم غنتعرفوا في هذا الابيزود على اون نوفيل فام انسبيرونت ولا سون باركور بلي او ولي باديالو كيف ما راكم عارفين الفكره دغيه هذا البودكاست هي اننا نكتشف وراء الكواليس ديال النجاحات القادات اللي كنستضيفوا باش تكون قصتهم لكل وحده واحد فينا مصدر الافكار جديده والهام قوي لتحقيق حتى حنا كل طموحات ديالنا اليوم غنتلاقاو مع ايزا جنيني اللي وزات ودارت الاخراج ديال بزاف ديال الافلام المغربيه نوتامون دي دوكيومونتير على الموسيقى دونك سولناها على العلاقه ديالها مع المغرب اي لا ميوزيك ديالو واكتشفنا كيفاش بعض اللقاءات بحال سا مع ناس الغيوان وانكور مع فاطمه بنت الحسين كانت مهمه ومؤثره على المشاريع ديالها في هذه الحلقه القدات شرحات لينا إيزا كيفاش كتعتمد على سون او الحدس ديالها في القرارات اللي كتاخذ

du Maroc. Et Finras a donc une carrière dans le cinéma et particulièrement au documentaire en passant par différents maillons. Mais avant de parler de ça, je voudrais justement revenir à l'enfance de l'enfance d'Alkou El-Maghrib pour savoir quels les souvenirs que vous avez gardés de cette période. Je suis née à Darbida. C'est l'histoire de Saoud et de Darari. غراند البنات وواحد ولد و وديك الساعة أنا خرجت الدار البيضاء وبا الله يرحمو كان كي كان كيال في الكارا داكوغ وكون كي ملي كنت أنا صغيرة كان كيجيني مع الكارا وديك الساعة كنت بين المدينه ديال الدار البيضاء والڭاراج ديال حتى ملي كبرت مشيت للسكويله في الدار البيضاء mm -hmm. ودرت euh, ليكول سان سول ديك اسمها ليكول سان سول ومن بعد لو ليسي في حتى لا كلاس دو بروميير ملي جيت لفرنسا مع الوالده دكا دونك كي هي اللي كيخدم في في لوبي سي كان كيبيع كي ويشري في الزرع والدرا وداكشي اي دونك هاد الوقيته يعني في كازا أو في كازا وفي هاد لو مارشي سنترال لا ما كانش في المارشي سنترال كان في السوق كان كيدير كي داك في السوق الخميس ديال الكرام

ديك الساعة آه الخوات تي كاملين كانوا خرجوا من المغرب واحدة مشات لأمريكا الأخرى لكندا الأخرى كل واحد فين مشا وبقيت أنا بوحدي مع الوالدة ديك الساعة الوالدة قال حتى حنا خصنا نمشيو نخلطوا على ناو ديك الساعة آه با الله كان بغا يمشي لإسرائيل <applause> وكنا غادي غير نوقفوا شوية لفرنسا باش ن...

Trouver un lycée, et voilà, et c'est comme ça que mon parcours s'est fait donc à Paris. D'accord. Et donc, j'imagine que, que, enfin, que quand on quitte un pays, on, on doit s'installer dans un nouveau. Émotionnellement, c'est pas toujours facile de, de ah, bouger. C'était pas facile du tout, d'autant que c'était au mois de décembre, il faisait froid, je voyais de la neige pour la première fois de ma vie. Euh, et je me retrouvais dans dans un univers euh, totalement différent, différent. Hein. Euh, mais j'ai eu de la chance par exemple j'avais dans ma classe une une élève mm -hmm. qui a tout de suite vu la petite étrangère qui débarquait et qui m'a qui a qui m'a accompagnée de son amitié jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs euh, voilà et puis comme il fallait toujours que je travaille euh, pour payer mes études donc j'ai je suis allée jusqu'au bac. Euh, après, à l'époque, vous, aujourd'hui, vous appelez les classes prépa. Nous, à l'époque, ça s'appelait la propédeutique Donc, j'ai fait une année de propédeutique en étant institutrice. C'était très compliqué d'assumer les deux, euh, avec des cours à la fac jusqu'à 10 heures le soir et, et toute la journée instite. Et alors, j'ai vu que c'était pas tenable. Et j'ai pu, grâce... À une de mes sœurs et des relations et tout, avoir un job comme hôtesse l'après-midi, parce que là aussi je me partageais avec les études. Et du coup, là c'était plutôt la fac le matin et, et une salle de projection privée, le Club 70, euh, qui est dans cette rue même. D'ailleurs, c'est pour ça que j'habite euh, toujours Villeuriston, et, euh, et où on projetait des films pour les professionnels. C'était. Euh, une salle, euh, il n'y avait pas la vidéo. Donc, les gens, que ce soit les équipes techniques ou les, ou les acheteurs ou les distributeurs ou la presse, devait réserver une salle pour visionner euh, les films et voilà et, et c'est comme ça de fil en aiguille euh, j'en suis arrivé ou vous savez d'accord <laughs> effectivement on va y arriver merveille donc qui euh, ça s'est fait par, fait par euh, opportunité par chance Absolument. Et, et finalement qu'est-ce qui vous a intéressé dans, dans ce secteur là qui euh, fâche de façon parallèle ouais. القراية ديالك آه شنو عجبك في هذا الميدان واللي خلاك بغيتي تكملي في السينما أنا ديك الساعة ما كانش في خباري و... نهانيا نكون نخدم في السينما ديك الساعة كنت غير خدامة في ديك لاسال ما كنت وكنت كندير اون إن... إن ليسانس دونجلي مم. باش نكون تراجكتريس ولا بروفيسور ما... ما كانش بالي أه، نخدم في السينما ولكن في عام 73 أه، مع راجلي اللي هو كان فرانسيس قال لك غادي نمشيو للمغرب نشوف هذا المغرب ما كانش ما كانش كيعرف المغرب وانا ما كنتش رجعت المغرب من من 14 عام ديك الساعه كنت تزوجت مع در... وكانوا عندنا جوج دراري قلنا غادي نمشيو واحد السيمانه العطله المغرب وديك ساعة هاد كان واحد كوموديان شوك فورميدابل عاد تحلوا لي عيني على المغرب قلت والله كل شيء الناس الهضره الماكله اللباس كل شيء كنت كان حل عيني على داك الشيء كله وكنت كان حل على على الوالده قلت ها منين جاو الوالده الاصول ديالك وديك الساعه بديت كان كنسولهم ديما منين جيتو فين كنتي كيفاش ملي خلقت انا هما كانوا كبار انا هي الاخرى الوغ وديك وفي هذا السفر الاول اللي درت في المغرب تلاقيت باغ سؤال بن بركه me distribution voilà et de fil en aiguille j'ai fait la distribution des films marocains après je suis passé à la production et après je suis passé à la réalisation justement donc avant euh, une anecdote que vous peut-être si euh, elle est que à euh, la rencontre avec vous euh, vous êtes

السينما المغربي. ما نعرف واش كاين ولا ما كاينش و ولكن <voltar للعبة> ملي كنت خدامه في السينما في لو كلوب 70 كنت كان خدمت جليديغ ان اونغلي خدمت في فيستيفال ديال السينما ديال تور اي انسي و كنت كان بديت كان نعرف هذا وهذا في السينما و كنت مشيت الفيستيفال دو كان قبل ما نمشي المغرب Au festival de Cannes, l'arquette, ma un distributeur, l'icane, ma un distributeur France, Jean-Luc Defay, qui était ami, ma distributeur marocain, qui était Monsieur Bouchentouf, qui avait le cinéma RIF. Alors, il me présente à Monsieur Bouchentouf, Monsieur Bouchentouf me donne une carte de visite, il me dit oh, Si vous venez au Maroc, venez me rendre mmh. visite. Donc, euh, c'est ce que quand j'ai fait ce voyage avec mon mari et euh, j'ai je suis j'ai rendu visite à monsieur Bouchentouf et alors et c'est là que par hasard euh, le directeur de production de, du film de euh, Les mille et une mains de, de Sway Marca, qui s'appelait Les mille et les, le, 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 le directeur de production c'était Ahmed Badri mm -hmm. pas euh, Moulay Moulay Badri euh, Ahmed, c'est son frère. Mmh. Et donc... Euh... Ah oui, non, mais un détail important, c'est que la veille de mon départ au Maroc, j'avais rencontré des... J'étais à un dîner de professionnels de cinéma qui me disent, « Ah, oh, vous savez, on parle beaucoup d'un cinéaste marocain, il s'appelle Swelben Ben Barka, vous devriez le rencontrer et tout. » Mais c'est tout ce que... Je n'avais pas d'adresse, oui. rien. Et là, ça a été, euh... ça a été le hasard qui m'a mise sur... Devant euh, lui, l'alignement voilà. des Il n'y a pas planètes. de hasard, il oui. n'y a que des rendez-vous. Oui. Effectivement, et donc là, ça... Votre métier de distributrice va commencer Ben oui, en autodidacte total. Euh, voilà. Donc, vous vous le film Par où commencer quand, quand on s'attaque à un nouveau métier qu'on ne connaît pas et où il faut faire ses preuves euh, De l'audace, de, toujours de l'audace, et puis de la foi, ah, euh, c'est-à-dire croire dans ce qu'on va faire. Et bon, le film avait déjà un distributeur à Paris qui s'appelait Tony Molière. Donc, euh, ça veut dire qu'il y avait déjà un euh, engouement, il y avait déjà une base. Euh, et à partir de là, j'ai commencé à solliciter les festivals et, et puis à les représenter sous Ben Barca dans des festivals parce qu'il n'aimait pas trop euh, euh, voyager. Donc, c'est moi souvent qui allais euh, les présenter. Et puis voilà, de fil en... Après, vous savez, c'est toute une série de rencontres, de coïncidences, de... Et... Oui. Vous disiez que Souhel Mbarka n'aimait peut-être pas ses rencontres avec le public, peut-être que le voyage est fatigant. C'est pas de... tellement euh, Non, je comprends aujourd'hui qu'au fond, euh, c'est vrai que quand vous faites un film, après vous êtes tout le temps sollicité, sollicité. et vous pouvez moins vous concentrer sur ce que vous avez à faire. Après. Donc je pense que c'était plus dans cet esprit-là que euh, voilà il, 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 serait, il, il allait dans par exemple chaque fois que son film était pris à, à l'époque c'était l'URSS euh, il y allait euh, en Inde il y allait je veux dire il avait des festivals évidemment auxquels euh, mais sinon euh, j'ai représenté pas mal de je l'ai représenté dans beaucoup de festivals au départ, il y a les salles de cinéma, donc l'exploitation. Ensuite, la distribution. Et, et euh, petit à petit, donc vous allez vous intéresser aux au phases ouais. À la production. Comment s'est passé Alors, euh, Quand on commençait à savoir à Paris qu'il y avait une femme qui s'occupait du cinéma marocain. Donc Manoni est venue me voir avec Aliam Aliam, qui n'était pas encore terminée, tout, pas tout à fait terminé, Et comme au Club 70... J'avais les comités de sélection des festivals mmh. qui venaient visionner les films. J'en ai parlé au comité de, de, de Cannes. D'accord. À l'époque, c'était Guy Brocourt et Pierre Billard. Et euh, ils ont vu le film et il leur a plu. Il leur a plu et ils l'ont donc inscrit à la première euh, édition d'Un Certain Regard. Voilà, et c'est comme ça. Après, le film a fait une carrière magnifique. Et après, quand... moi, entre-temps, j'ai découvert Nacel Rihwan, euh, et dans le film de Manoni, et dans un concert à Paris, et euh, je me suis dit, il faut... Alors, je distribuais, il faut dire à l'époque, j'ai distribué beaucoup de films de musique en Afrique. Tous les films de reggae, tous les... et puis d'autres. Et j'ai dit ben il faut qu'on fasse un film de musique sur Nostalgia One. Mm. Et ben c'est pas grave, on va produire, on va les filmer en Cartage. Mais en réalité, euh, le, la production est allée beaucoup plus loin qu'un simple tournage d'un concert, puisque Manouni a dit oh non non, il faut qu'on, faut qu'on les suive, faut qu'on fasse un vrai documentaire sur eux. Et j'ai suivi hein, péniblement, mais. <laughs> Je... Pourquoi péniblement Parce que c'était très très difficile. J'avais pas l'argent, j'avais pas l'expérience. Il n'y avait pas tous les, euh, toutes les aides euh, qu'il du... qu y a aujourd'hui. Euh, j'avais affaire à un groupe de musiciens pas toujours facile à gérer. Mmh. Euh, voilà donc euh, mais je ne regrette rien puisqu'on connaît la on connaît la, la on suite, euh... suite aujourd'hui avec le, tout l'intérêt que Scorsese porte au film donc on, euh, on va y arriver et euh... justement moi je voulais savoir comment s'est passée justement cette rencontre avec Rewan eh bien, euh, d'abord, euh, ben, bien, euh, euh, comme j'étais très euh, très branchée, musique et tout, euh, ils sont venus à la maison, on a fait des soirées, on... et puis ça s'est fait euh, naturellement. À un moment donné, quand on a dit bon, va, on va aller les filles, ils allaient donner un grand concert à Carthage, l'été 80, l'été 80, oui, c'est ça, l'été 80. Et on a dit bon alors on a organisé le tournage avec Manoni euh, pour aller filmer le, le concert. Donc on a filmé le concert et au, au retour Manoni m'a dit non non c'est c'est dommage de se cantonner à hein, une simple captation euh, allons plus loin voilà. mmh, sur scène et les interviewer et les rencontrer comme ça dans d'autres contextes on les a suivis ou, on ne peut même pas dire qu'on avait un scénario. Hein. L'idée, c'était d'aller à la source musicale de chacun des, des musiciens. Donc, ça voulait dire euh, aller, euh, aller dans l'univers de chacun. On est allé à Essaouira pour Paco. On est allé dans l'Atlas pour euh, Omar. On est allé à, euh, à Haïmouhammadi pour Larbi. On est allé à, à l'école de musique pour Allel. Donc, euh, voilà, c'était ça le. C'était ça l'idée. D'aller vraiment chercher la source et comprendre les inspirations. – l'inspiration. Parce que c'est vrai qu'ils euh, ont recréé une musique à partir de, de choses existantes. Mm. Euh, voilà, donc, euh, oui, d'un patrimoine aussi, d'inspiration. D'un ben, et... patrimoine aussi bien poétique que musical. Euh, D'ailleurs, la, la traduction des chansons des a textes, été un énorme oui. travail. Euh, ouais.

Heureusement, avec assez d'inconscience pour y aller quand même mm -hmm. parce que je pense que si j'étais consciente des, des obstacles et des difficultés euh, j'aurais peut-être hésité mais rétroactivement ben le temps m'a donné raison mm -hmm. voilà et quand vous êtes investi autant dans un projet qui prend du temps qui demande beaucoup de sueur film fait une copie prête à diffuser entre vos mains je voudrais bien que vous me décriviez avec le sentiment d'aller quitter en tout cas en ce qui concerne Trans euh, on a fini euh, c'est vrai on a eu la satisfaction d'avoir un film terminé après de moult euh, difficultés, tout a été long le, tourne, le, le montage et tout mais c'était pas fini après il y a les autres défis il y a les défis de de la distribution, il y a les défis de la promotion, il y a les défis de de, de c'est jamais vraiment. Enfin, je vous ai dit, je pense que je me suis sentie vraiment euh, euh, soulagée de tous ces efforts qui ont dû être fournis euh, presque dix ans après quoi. Où le mmh. <t> en> entre l'idée. Et euh, la fin du, du montage bah, dans la prod. mesure où, où l'idée c'était juste euh, filmer un concert, ça a été rapide hein. euh, mmh. disons que ils allaient jouer en, en, au, à l'été, euh, peut-être que l'idée est née en, au printemps mmh. hein, le temps de mettre en place euh, le tournage et après le montage, toujours est-il que le film était prêt pour Cannes 81 puisque mmh. à Cannes 81 j'ai fait une projection en marche du festival. Et c'est comme ça que la carrière du film a démarré. Parce qu'il y a eu des gens qui sont venus, des festivals qui sont venus à, à cette projection privée. Hein, pas... Et notamment les organisateurs du festival de New York qui étaient Susan Sontag et Richard Raoult, et qui ont craqué pour le film et qui ont dit... Euh, qui nous ont invités au festival. Et c'est comme ça euh, que s'est enchaînée la diffusion sur un câble TV américain et que Scorsese a vu le film et donc un qui a été fait en 81 en 2007 Martin Scorsese va le choisir aussi comme film pour lancer le, la World Cinema Foundation. En 2007. Hein. Donc, oui, exactement. Euh, donc au Festival de Cannes. Et, et donc je voulais savoir aussi la discussion avec Martin Scorsese. Comment vous, vous, vous l'avez vécu vous... Alors la discussion avec. Je pas une discussion en direct avec Martin Scorsese. J'avais un appel de la Cineteca de Bologne parce que la Cineteca de Bologne est un laboratoire de restauration, et c'est elle qui faisait le travail pour d'autres films de, de Scorsese. Donc ce sont eux qui m'ont appelé, qui m'ont dit, est-ce que vous seriez intéressé que l'on restaure le film et Évidemment, ça ne se refuse pas. Il fallait trouver le négatif. Entre-temps, le laboratoire où le négatif avait, dit, avait été déposé, avait fait, fait faillite, enfin, avait déposé son bilan. Donc j'étais un peu perplexe, j'avais que des mauvaises copies euh, euh, positives, qui étaient, euh, je sais pas, euh, le film était terminé en 81, là on est en 2007, je ne sais pas combien de temps après, mmh. ça fait, ça fait euh, euh, 26 Merci. ans après, donc je ne savais même pas, j'avais des copies 16 et 35, mais forcément en mauvais état parce qu'elles avaient tourné et tout, et on était prêt à faire le travail à partir de ça. Et puis un jour, euh, dans mon grand garage avec toutes mes archives, ces fameuses archives dont je vous parle, il mmh. euh, bah, y avait le négatif du film. Il était là. En fait, je l'avais récupéré du, du laboratoire au moment où il déposait son bilan. Mmh. Donc voilà, donc le travail a été oh, fait. Après, bah, comme c'était le premier film qui a été choisi pour lancer... La World Cinema Foundation, donc on s'est retrouvé à Cannes avec Scorsese et Manouni et sa femme et on a monté les marches très fier mm -hmm. euh, de, de ça voilà. exactement et donc aussi une fierté pour euh, le, le patrimoine musical et, et, et culturel marocain ouais. euh, donc vous avez longtemps aussi travaillé et avec euh, Manoni et avec euh, Souhaïl Ben Barka est-ce que c'est eux qui vous ont donné euh, envie de, de, de passer derrière euh, la caméra aussi euh, leur façon de travailler ou qu'est-ce qu je sais pas parce que en fait euh, autant avec Souel, je, je m'étais cantonné à la distribution. Mm -hmm. Autant avec Manouni, je m'étais cantonné à la production. Okay. Donc, j'ai jamais été impliqué dans leur tournage, jamais, je, ni dans les leurs, ni dans aucun autre. Mm -hmm. Si bien que euh, le passage à la réalisation, c'est fait euh, pareil comme euh, comme lorsque j'ai dit à Souel, je vais distribuer. C'est-à-dire, en fait, ce qui s'est passé, c'est que après avoir produit Trans, mm -hmm. euh, je voulais continuer la production. En mat... j'étais très très attirée et, et par euh, d'abord par le genre de l'Aïta, mm -hmm. donc de la chicha, en particulier de la Sheikha vietnam de que j'avais rencontrée à Essaouira grâce à Tayeb Sadiki, mm -hmm. et, et elle m'inspirait énormément. Mais euh, j'ai commencé à travailler un scénario. Avec Tahiri et, et le comédien mari Et puis, quand j'ai commencé à, à, à me poser la question de la production, j'ai senti que j'allais me retrouver dans les mêmes euh, spasmes que, que pour Trans. Je ne me sentais pas capable. J'ai dit non, vraiment, euh, j'ai renoncé donc à produire un long métrage de fiction autour de la ETA. et puis un jour parce que entre temps j'avais racheté la salle mmh. hein, tout le monde tous, mes, tous les patrons étaient partis les associés étaient partis et je me suis retrouvée un jour seule à gérer cette salle qui commençait à, vraiment à mal marcher parce que la vidéo faisait que ben, on avait plus besoin d'une salle de projection privée etc donc je me suis associée avec quelqu'un qui au fond au bout du compte j'ai été obligé de perdre la salle, et je me rappelle très bien. J'ai perdu la salle, mais pas ce qui est encore aujourd'hui mon bureau, c'est-à-dire un petit espace dans, à la même adresse. Tout d'un coup, je ne sais pas comment. Je ne peux pas vous dire une inspiration. J'ai dit ah ben bah, puisque je peux pas faire, puisque je peux pas produire le long métrage sur l'AETA, pourquoi je ne réalise pas un documentaire Parce que je croyais à l'époque. Euh, j'ai changé d'opinion depuis, qu'au fond, faire un documentaire, c'est beaucoup plus facile que faire une fiction. C'est vrai, sur bien des plans. Une fiction, il vous faut des équipes de 40 personnes. Un documentaire, vous pouvez aller à, à 3. Donc, c'est vrai qu'il y a une légèreté dans le documentaire. Oui. Que, euh, mais, euh, en réalité, c'était un choix très profond chez moi, parce que euh, je suis très... Euh, je suis très amateur de, de documentaires, mmh. comme spectatrice, comme productrice, puisque trans, c'était. Même comme distributrice, parce que je distribuais les films de musique euh, déjà. Do, donc, en fait, c'était un goût profond. Mais j'y connaissais rien. Mmh. Je n'y connaissais strictement. Enfin, je connaissais rien sur. L'organisation d'un tournage. Euh, J'avais pu décrocher un intérêt de la 7, mm -hmm. avant qu'elle devienne euh, Arte. Et, et donc, ça me donnait des ailes. Mais par contre, j'ai toujours euh, cherché à avoir le meilleur caméraman, le meilleur. Je, 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 je m'entourais de gens qui, eux, savent. Mm -hmm. voilà. Et j'avoue que le premier jour de tournage, je ne savais, savais même pas quoi dire. Quoi. J'étais mm -hmm. tout à fait intimidée pas ma propre action mmh. et puis voilà et puis de fil en aiguille de fil en fil et de film en film j'ai appris à, à comment dire à avoir mon propre regard mmh c'est-à-dire à me sentir moins dépendante sur le... Je suis toujours très dépendante sur le plan technique, hein. je suis incapable de, de monter moi-même un film, mais, mais en revanche, ou de même de, de le filmer, mais en revanche, je, je sais, je suis très très présente au montage. Hein. Je crois que c'est vraiment là que le film s'écrit. Et voilà, j'ai appris à faire un film selon mon regard et non pas simplement selon mon ignorance. J'ai envie de rebondir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure. Elle a un film documentaire qui est peut-être beaucoup plus exigeant que la fiction. Je voulais justement savoir, qu'est-ce qui a été le plus challengeant dans la constitution de ce regard-là avec le temps et avec euh, ce que j'ai parcouru comme expérience euh, à la fois euh, personnelle et professionnelle, je fais plus de frontières entre... Euh, en, en dehors de cette organisation qui peut être pléthorique pour une fiction et intime pour un documentaire, euh, je réalise que c'est du cinéma. Et ce c'est du cinéma, c'est quoi bah, C'est écrit, c'est suscité. Euh, une émotion, c'est avoir un rythme, c'est euh, intéresser le spectateur, c'est. Et tout ça, il faut l'avoir dans le documentaire, exactement comme dans une fiction. Mmh. Il faut. Il faut euh... J'ai appris ça d'un. Avec les différents. Par exemple, quand j'ai fait retrouver Ouled Moumen, j'ai travaillé avec Jean-Claude Loupchanski pour euh, Canal. Le film était diffusé sur Canal. Donc, on a vraiment travaillé. Euh, j'ai dû vraiment beaucoup, beaucoup écrire. Euh, donc, en, en écrivant, j'ai été amené à réfléchir de plus en plus sur. Euh, sur la comment démarche, sur oui. le film, etc. Ensuite, il y a, y a tout. Il y a l'apport à l'émotion, il y a l'apport de la musique, il y a, y, a, y, a, y a tout ce qu'il faut pour... En fait, c'est quoi C'est comme un livre, c'est comme un tableau. Hein Vous avez un spectateur et une œuvre, euh, le tout, c'est qu'il y ait une alchimie qui se passe entre eux, voilà. Mmh. Donc, euh, des fois, elle marche, et puis des fois, elle marche pas. Mmh. Et tout à l'heure, vous disiez aussi, dans, dans les premiers films, les, les drtis, euh, le fait de s'entourer par des personnes qui sont très techniques, est euh, excellente d'ailleurs parfois on peut se sentir un peu gêné on ne sait pas par quel bout diriger finalement euh, Had l'équipe. Chnulivsnadark a-t-elle dit qu'il a finalement créer une alchimie entre les différentes personnes présentes Mac pour réaliser ses premiers projets. Ça fait euh, ça s'est fait progressivement hein, c'est sûr que euh, le premier jour de tournage de Aïta qui a été mon premier film avec Jean-Jacques Flory que j'avais euh, désigné comme caméraman parce qu'il avait fait un film sur la fantasia que j'avais trouvé magnifique donc euh, c'est lui alors il était probablement euh, étonné que je sois si euh, inculte <laughs> en la matière euh, je pense que il en a été surpris peut-être amusé euh, en tout cas euh, ça n'a jamais provoqué le moindre. La preuve, c'est qu'on a continué, on a fait trois ensemble. films ensemble, donc il euh, y a eu une espèce de compréhension mutuelle, peut-être. Euh, et moi, j'ai appris à, à travers euh, cette expérience, à, à travers mes erreurs, j'ai appris ou à travers mes ignorances, euh, j'ai commencé à, à apprendre à, à, à m'impliquer comme réalisatrice, mmh. vraiment. Euh, c'est-à-dire comme quelqu'un qui a une vision et euh, qui a un ressenti, hein, parce que c'est vraiment une affaire de ressenti. Hein. Quand vous montez à côté d'un professionnel du montage et que vous lui dites non, non, il vaut mieux couper là plutôt que là, mmh. hein, ou plutôt mettre ce plan avant celui-là, euh, c'est vraiment votre vision qui est en jeu. Mmh. Après le reste, c'est une exécution. Mmh. voilà et Koltina l'Aïta, euh, c'était une curiosité que vous avez inspirée euh, Fatna Abdel Et par la suite, comment vous avez trouvé had, les histoires à raconter Est-ce que c'était toujours de l'intuition euh, Ou là, parfois, il y a eu une réflexion aussi à avoir en amont euh, pour se dire non, had, le sujet, il est peut-être trop. Au, au début, au au début abord ça a été beaucoup euh, disant que au début, mes, mes, mes motivations et, et mes, mes projets, hein, vraiment, c'était passer d'abord par une relation personnelle. C'est-à-dire, j'ai rencontré à titre personnel Fatna avant de projeter un film avec elle. Euh, j'ai rencontré Absad euh, Akshara avant de penser faire un film avec lui. J'ai rencontré Mohamed Hossein, pareil. Je veux dire, Nasr Rewan, pareil. C'est-à-dire que mon préalable, c'est cette relation personnelle euh, qui, elle, m'inspire de faire un film sur eux. Voilà, c'est pas... Donc je pense que c'est une démarche différente que, que d'un reporter qui va peut-être tout simplement, qui n'a pas besoin de, de cette relation préalable pour... Euh... Donc pour moi ça a été important et peut-être que c'est ce préalable qui peut aujourd'hui, j'en sais rien, moi c'est le feedback que j'ai à travers mes projections, les gens disent mais comment vous faites, on dirait qu'il n'y a, qu a pas la caméra... Comment les gens sont à si à l'aise, etc. Donc je pense que c'est cette histoire d'alchimie qui, qui se passe euh, entre effectivement. Euh, euh, j'oublie moins de me, c'est pas que j'oublie. Je euh, ce sont eux qui sont en scène mm -hmm. et ce, et c'est leur mise en scène, vous voyez. Mm -hmm. C'est pas hein, hein, que ce soit la musique andalouse de Tétouan ou Laeta, etc. Je veux dire, euh, euh, je suis là moi juste pour la montrer. Je, mm -hmm. je suis pas là pour me montrer. Voilà, oui. c'est ça que je veux dire. Et euh, comme on disait, il euh, y a un rapport très particulier à la musique à la qui a rythmé euh, toute votre carrière, que ce soit euh, par rapport aux films que vous avez produits ou euh, distribués ou, euh, ou euh, réalisé. Et euh, j'avais lu justement euh, euh, un article où vous disiez que c'était euh, euh, la musique qui vous amenait à vous-même. Et je voulais savoir ah, qu'est-ce oui. que vous entendez par amener à soi. Bah, C'est-à-dire que ça, c'est la conclusion du film de Tambour Battant. Hein, puisque justement, quand j'ai fait toute cette série sur les musiques du, du Maroc, euh, je, 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 je me posais cette question mm -hmm. qu'est-ce qui fait que la musique vous ramène à vous-même Parce que ça a été mon histoire, ça a été mon cas. Hein, parce que, ma cette réap réappropriation de, de la culture, euh, de mon originalité, de ma marocanité, elle est passée par la musique. Hein, ça a été, euh, et, et même, euh, je peux dire que c'est même dans une zaouïa en faisant le film Louange, euh, pendant une cérémonie que euh, j'ai reconnu les sons de ma propre enfance qui, de la synagogue. C'était mmh. sur le même ton. Mmh. Hein, donc, euh, bah, je crois que tout simplement, euh, la musique, c'est le chemin le plus direct. Il n'y a pas de frontières il n'y a pas de d'intermédiaire c'est un élément sensible qui s'adresse directement à la sensibilité et la sensibilité c'est ce qu'il y a de plus euh, original et originel euh, en soi je crois hein. mm -hmm. donc euh, en tout cas c'est euh, c'est ce qui me c'est c'est ce qui m'a attiré mm -hmm. hein, parce que justement non seulement ça m'a attiré euh, en tant que choix, mais même si je, je n'en avais pas vraiment maintenant conscience. je vous parle, mais j'en avais pas vraiment conscience. Mais j'ai bien compris après coup que je faisais pas un film sur une musique en particulier comme ferait un musicologue. Je n'est pas, c'est pas ma démarche ou, ou sur un, ou un anthropologue. Ce n'est pas non plus ma démarche. Mais euh, ça, en fait, ça part de soi. Mm -hmm. Ça part de soi et ça revient à soi. Mm -hmm. Et c'est finalement spirituel comme lien. Euh, c'est plus émotionnel, émotionnel, sensible et spirituel, oui, qu'intellectuel. Mm -hmm, ouais. mm -hmm. Et euh, on, par la suite, donc, euh, vous avez fait plusieurs films qui sont soit intéressés à un lien musical, soit à un des aspects de la culture marocaine, et notamment euh, sur l'identité. Cité judéo-marocaine, que ce soit à travers euh, Retrouver ou L'aide Moumen, euh, La route du Cédra ou, euh, ou encore Cantique euh, brodé. Et, et, et euh, en fait, c'est des films qui ont aussi voyagé pour rencontrer leur public. Et moi, je voudrais savoir que, quelle était la réception euh, de, de ces films au sein des communautés marocaines, qu'elles soient euh, juives ou musulmanes, et euh, à travers le temps. Euh, est-ce que cette perception-là, cette réception-là, a toujours été euh, la même ou est-ce qu'elle a, elle a changé Oui, d'ailleurs, c'est une bonne question parce que je constate aujourd'hui, après, je, je aujourd après pratiquement 30 ans de, de, de réalisation, que euh, le public ait, a évolué. C'est-à-dire que au début, mes films ont voyagé dans énormément de festivals internationaux. Euh, ils ont fait plein de manifestations intellectuelles, les, les, dans des universités, dans des... Euh, mais donc, ils ont rencontré un, un, un public non marocain, mmh. mais curieux, euh, curieux de découvrir le Maroc ou tout simplement intéressé par la musique. Enfin, donc. Et, et paradoxalement assez peu au Maroc. Il y a eu une, une fois une diffusion sur deux M, et puis c'est tout. Un hein, Très peu de festivals, très peu de... Mais j'ai constaté depuis quelques années, euh, 4-5 ans à peu près, un intérêt vif du côté des Marocains, mmh. comme une reconnaissance de révéler... Euh, une reconnaissance d'une culture que eux-mêmes soient ignorés ou euh, dont ils n'en avaient pas vraiment conscience. Mm. Hein? Donc, euh, je prends par exemple euh, à Marrakech, Dalblerge euh, organise Ashura, mm -hmm. euh, Ashura dont j'avais euh, euh, bon j'avais j'ai pas mal filmé avec euh, l'Arhamo Baba de, de l'Andra, et, et donc euh, aujourd'hui ce sont des documents euh, précieux sur des gens qui ne sont plus là, sur des rites euh, peut-être qui ont changé, etc. Et donc aujourd'hui, la valeur patrimoniale se révèle. Ce que moi, je n'avais jamais imaginé, ni même fait dans cet esprit-là. Mmh. Hein, J'étais au contraire. Je, je, je témoignais de quelque chose qui me paraissait très vivant. Euh, que, que je jalousais quelque part. Que mer, Quelle merveille de pouvoir euh, vivre le, la musique comme ça au quotidien. Tout le monde connaît les chansons. Tout, donc, ayant quitté le Maroc je, 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 et étant dans un monde occidentalisé qui n'avait pas du tout le même rapport à la musique, euh, oui, avant on disait en France tout se termine par des chansons, mais ça a changé quand même maintenant. Et, et je retrouvais ça au Maroc. Et, et donc, euh, c'est de ça que j'ai voulu témoigner. Ma, le vrai mobile de, de ma démarche, c'est le besoin de témoigner. Voilà. Mmh. Et en fait, je vous entends et il y a aussi des souvenirs qui, qui me reviennent en tête, notamment cet esprit aussi de communion oui. à travers la chanson, euh, que ça soit euh, ouais. euh, dans, dans des contextes familiaux, des dans un contexte ouais. de ouais. fête, euh, euh, ou, vrai, ou vrai, autre. J'espère que le Maroc va le, le garder encore mmh. longtemps parce mmh. que avec tous les hein, euh, pff, tous les moyens de communication qu'il y a aujourd'hui, tout ça, bon, c'est peut-être moins, ce sera peut-être en tout cas différent, c'est sûr. Mmh. Et mmh. puis dans une société aussi. Donc euh, mmh. voilà, donc en tout cas, pour répondre à votre question, c'est vrai que le public marocain, euh, aujourd'hui, m'accorde une reconnaissance. Euh, Bon, D'abord, qui me réjouit et qui, mais qui me réjouit et en même temps me surprend parce que c'était pas dans ma démarche consciente, en tout cas. D'accord. Et vous disiez en fait que le film a trouvé son public plus à l'international au départ oui. euh, que, que au Maroc ou auprès des Marocains. Et, et je voulais savoir comment en fait on trouvait finalement sa place dans, dans l'univers du, du cinéma peut-être parce qu'on a aussi beaucoup de, de clichés sur cet univers-là aussi, quand on vient avec des, des productions du Sud, qui peuvent parfois être considérées par certains comme exotiques ou comme étant... Des, mmh. des productions de, de pays euh, euh, éloignés. Euh. Alors vous savez comme j'ai beaucoup, euh, j'ai distribué pas mal de films africains, oui. j'ai distribué pas mal de fric, de films en Afrique. Mmh. Euh, bah, j'ai pas distribué beaucoup de fric. <laughs> <laughs> C'est un peu le problème, j'imagine. Mais en tout cas beaucoup de films. Euh, j'ai, je me suis toujours méfiée d'instinct mmh. à cette espèce de mode entre guillemets de certains cinéastes qu'on monte en épingle parce que... Euh, et puis, euh, voilà, hein. voilà c'est l'Afrique, c'est machin, etc. Et en plus, en particulier, on monte en épingle ceux qui vont dans le sens de du beau cliché, et eh bien, euh, hein, par exemple dans le monde arabe, la femme victime, etc. etc. Moi, j'ai toujours une méfiance à l'égard de ça. Mm -hmm. D'abord, j'ai une méfiance naturelle à l'égard de la mode. Hein, parce que la mode, elle a, elle a un temps. Mmh. Hein. Et, et là, j'en ai croisé quelques-uns qui, malheureusement, mmh. euh, passaient la mode, euh, sont passés aussi. Tu vois, donc, euh, donc, moi, j'ai une méfiance euh, réelle euh, pour ça. Euh, je considère que le seul vrai juge d'une œuvre, quelle qu'elle soit, c'est le temps. Bon. Donc il faut se donner rendez-vous euh, 20 ans, 30 ans après un film pour euh, finalement mesurer sa vraie valeur. mais ça si, si on, euh, on peut on, encore une fois c'est un, une question de sensibilité quoi. Mm -hmm. on, quand je vois un film, je dis où est l'artiste? Si je sens l'artiste, je, je, je peux faire confiance à cette œuvre. Mmh. Si je sens un certain, un certain maniérisme, un certain opportunisme, un certain, une certaine concession à la mode, une certaine... Ouais. Je, je me méfie, mais bon, je, je me trompe aussi, peut-être. Hein. Je ne <laughs> prétends pas à détenir la parole absolue. Hein. Et, et justement, dans, quand vous visualisez d'autres films, euh, est-ce que vous, vous avez ressenti le besoin de peut-être vous nourrir euh, d'autres démarches Est-ce que vous, vous vous considérez aussi euh, euh, cinéphile euh, ou euh, euh, vous partez vraiment comme on le disait tout à l'heure, que de votre intuition pour construire votre regard euh, sans forcément euh, prendre en compte ou essayer. Euh, euh... Alors, euh, j'aime beaucoup le cinéma. Mm -hmm. Je choisis soigneusement les films que je vais voir parce que malheureusement, je ne peux pas tout voir. Mm -hmm. euh, J'ai vraiment des, des, des cinéastes dont j'apprécie particulièrement le, euh, le cinéma, etc. Mais, mais quand je fais un film, ils sont pas présents dans mm -hmm. ma tête. Je ne me dis pas, tiens, je vais faire un plan comme... Pas du tout. D'abord, je vois les films une fois, deux fois au maximum. Je suis pas comme... Je n'étudie pas vraiment le... le film. Donc, je ne peux pas savoir dans quelle mesure ça m'influence. Ça, ça, ça ça non. non, non, je suis... Beau... Je peux dire que j'agis je... beaucoup de manière intuitive, mm -hmm. en fait. Oui, mm -hmm. oui. Ouais. Euh... Mais... Je ne regarde pas un film en particulier en me disant, tiens, je vais faire. Un... Même les films de. Pourtant, je fais beaucoup de films de musique, mais je ne vais pas regarder les films de musique avant d'en faire un moi-même, par oui. exemple. Hein, donc, euh, non, je reste très proche de, 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 du choix que j'ai fait. Oui je demandais cette question aussi par curiosité personnelle parce que euh, personnellement je fais les choses de manière assez scolaire jusqu'ici oui. et, euh, et effectivement parfois euh, par par recherche de légitimité entre guillemets pour, pour faire des projets j'ai besoin en fait c'est plutôt rassurant d'avoir des, des références et c'est pour ça que je posais cette question est-ce que pendant votre carrière à un moment vous êtes dit euh, euh, ah si seulement euh, euh, je pouvais faire une école de cinéma ah si seulement euh, je pouvais faire une une formation pour parler à mes techniciens ou est-ce que je vais plutôt euh, euh, me former au montage pour pouvoir euh, moi-même okay, moi, si je me poserais oui, cette en fait, question si, si vous êtes déjà posé cette question jamais jamais de, de quoi d'aller me former quelque part oui est-ce que vous êtes oui. déjà senti euh, 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 est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de la légitimité par exemple de la légitimité oui. mais c'est quoi être légitime justement <laughs> c'est quoi c'est faire du cinéma avec un diplôme Peut-être en fait, moi c'est un peu le stéréotype qui, euh, qui bah, aujourd'hui c'est voilà. vrai qu'il y a des diplômes, mais Dieu merci le cinéma est encore un domaine qu'on peut faire sans diplôme, c'est ça qui est formidable. Mmh. Non non, moi je ah je me suis jamais senti illégitime parce que j'ai pas de diplôme, mmh. pas du tout. Je peux, je peux admirer ceux qui en ont. J'admire euh, ceux qui sortent de la fémis. Cool, mais en, moi, mon fils, par exemple, est, il n'a aucun diplôme dans le cinéma et il est considéré comme l'un des meilleurs pointeurs. Ça s'appelle pointeur. Ce qu'il fait, c'est qu'il est, il est responsable du point, de la mise au point. Sur des grands films, les films Vissus les films de. de, de, de enfin, de tous les, les, les longs films qui vont en en métrage. Il, il n'a pas fait d'école, mais il est, il est reconnu et estimé dans son, dans son travail euh, vraiment comme un super pro. Mm -hmm. Donc, euh, donc euh, Dieu merci, on peut encore faire du cinéma sans aller à l'école. Euh. Bon, après, c'est une question de chance, et sur qui vous tombez, sur qui. Euh... Bon, je ne sais pas. D'ailleurs, euh, euh, c'est vrai que les, 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 les mœurs cinématographiques ont changé. Euh, je m'en suis rendu compte avec *Nos d'Or et de Lumière, qui a été un long métrage sur lequel le, le financement était très difficile. Mmh. J'ai compris à partir de celui-là que euh, je suis plus... Enfin, avec le choix de, avec le choix de mes sujets, mmh. hein, j'étais plus dans... Dans, euh, les guichets se fermaient les, les uns derrière les autres. Bon, bah, j'ai compris, mais je ne me suis pas arrêté de faire du cinéma pour autant. Je me suis arrêté de faire de la production. Ça, c'est depuis 2007. Mais j'ai fait euh, plein de films personnels, euh, euh, voilà, sans dossier, sans attendre. Euh, qu'on veuille bien m'accorder, mais j'ai fait des films surtout sur mon entourage, sur, sur la famille, sur, euh, euh, sur place. Sur tout, tout est matière à film. Mm -hmm. Et justement, il y a ce besoin de témoignage, mais après, euh, on vous ne passez pas par ces circuits classiques, euh, avec euh, les étapes euh, très conventionnelles, de euh, j'ai un producteur, j'ai un distributeur, et donc mon film mm -hmm. va rencontrer un public, est-ce que ce n'est pas frustrant par la suite quand on fait de l'autoproduction, de se dire, bah, finalement, ce film va peut-être... Euh, être vu que par mes proches ou que par le réseau personnel. Ah ben, ça dépend à quoi vous le dessinez au départ. Moi si je moi quand je fais un film pour mes proches ça, ça, ça me va bien. J'ai pas je moi, ça, je cherche pas à, je l'inscris pas au cinéma du réel. Hein. Il est il est pour mes proches et, mm -hmm. et mes proches c'est un public important. Fiction. Voilà et mes films personnels sont des films importants. Mm -hmm. Donc là là récemment euh, chaque fois que mon mari, euh, mon mari est décédé il y a sept ans chaque année je fais un petit film sur lui. Euh, on, en, on en est à cinq. Euh, J'en suis à cinq. Euh, euh, je les ai réunis. Ça fait un long métrage d'une heure vingt. Euh, on, on a fait notre petite fête rituelle euh, il y a quelques jours. Eh bien, c'est vraiment un film. Mm -hmm. Je dis pas que c'est un film euh, à présenter à Cannes, hein. mm -hmm. mais, mais c'est un film pour, euh, pour nous qui est important. Mmh. Hein, euh, de voir comme ça l'évolution c'est comme un roman familial hein. voilà donc euh, c'est vrai que là il y a une liberté totale bon ça veut peut-être, euh, il y a peut-être pas l'exigence d'un partenaire financier ou d'une chaîne de télé ou d'un distributeur qui vous qui va lui euh, se conformer à des exigences comme l'audimat ou ou la ou la rentabilité etc. Mais vous aurez fait les choses avec beaucoup de liberté. Et ça, oui. j'y tiens beaucoup moi, voilà, la liberté. Oui. Et là-dessus, en fait, euh, on, comment film. Enfin, j'imagine que vous travaillez avec beaucoup d'archives. J'ai euh... pas mal d'archives, oui, mais pas que. Oui, oui, mais oui, oui, des archives. D'ailleurs, je suis en train d'en faire un euh, avec des, des archives justement. Mmh. Je voulais vous poser la question de comment on filme l'absence S'il n'y euh, a pas d'archives euh, pour euh, constituer ces films-là. Bon, il se trouve que avec mon mari, j'ai eu pas mal d'archives parce que d'abord dans sa famille, ils ont gardé des photos et j'ai hérité de toutes les photos. Euh, je, nous, nous avons avec dès que ça a commencé les petits caméscopes et autres et appareils photo, on a beaucoup, beaucoup de, pff, de des milliers là d'ailleurs. Mmh. Euh, donc, c'est pas la matière, j'avais beaucoup de matière. Euh, voilà, là, là j'avais en revanche le petit film que je fais maintenant, c'est sur euh, une de mes soeurs qui est décédée en 86 et sa fille qui est décédée en 83. Et là, j'ai pas beaucoup de matière, j'ai mmh. quelques photos, mais il faut que j'invente. Euh, il faut que j'invente euh, le récit. Quoi. Mmh. Donc là, ça passe par de la voix off. Ou, ou ça va passer des par une voix off, ça va passer par euh, des, des documents annexes, euh, ça, va, ça va passer par euh, la débrouille. Mmh. Bah, en tout vrai. cas, ça rend très, très curieux. Avant de clôturer, je voudrais juste poser une question qui est assez classique euh, et euh, que je pose tout le temps pour finir euh, l'épisode. C'est celle de, des recommandations ou euh, donner euh, des, quelques euh, idées d'œuvres, euh, qu'elles soient littéraires ou cinématographiques, qui vous ont peut-être euh, inspiré et qui, qui ont peut-être changé votre façon de ouais. voir certaines choses. C'est le moment. Bah, moi, déjà... Euh... Euh, si j'avais quelque chose à dire, euh, c'est d'insister sur l'importance euh, d'être euh, en éveil sur ce qui nous entoure déjà, hein, que ce soit ses proches, que ce soit sa nature, que ce soit déjà ouvrir les yeux sur euh, les yeux et les oreilles bien sûr sur ce qui nous entoure. Euh, euh, d'être tourné comme ça vers euh, vers l'extérieur et et puis de oser oser essayer de traverser le pont sans avoir peur mm -hmm. voilà. parfait merci beaucoup en tout cas euh, de nous avoir partagé euh, tous ces moments euh, de, de votre vie Alors. merci beaucoup encore Isa et merci ou les films essentiels' قدرت توثق ان باختي دو التراث الثقافي المغربي في هذا قدرنا نتعرفوا عليها ونفهموا من خلال تجربتها كيفاش بعد المرات الجرأة تقدر تخلق فرص مهمه كنتمنى تكون هذه الحلقه عجبتكم وانكم ما غتردوش تبارطاجيوها مع لونطوغاج ديالكم البودكاست قدات كيبقى محتاج لكم والسنة ديالكم فما تنساوش تخليو لينا خمسه ديال في ايتونز ولا دي كومونتير وتتابعونا في مواقع الاتصال الاجتماعي بحال فيسبوك وانستغرام في المال هذا اذا كانت عندكم شي سؤال أو اقتراح فما تردوش تواصوا معنا وتكتبوا لينا في لي أو ولا على ادريس ميل كوم شكرا لكم مره اخرى يا تري في حلقه جديده مع قاده جديده